tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Économies et Défis. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 12. Pour vous, ce sera vendredi 13. On va faire le bilan de la deuxième semaine et le remplissage de la troisième semaine du mois d'octobre. Allez, c'est parti, on y va. Allez, ça, on y enlève. Je voulais faire une petite aparté. Je voulais vous remercier pour tous vos petits messages que vous m'avez envoyés pour mon petit cochon d'Inde. Alors il va très bien, il a repris à manger, tout va bien, il s'amuse, il fait le fou, tout va bien. En tout cas, merci beaucoup, j'ai reçu énormément de messages, même maintenant je reçois encore des messages pour savoir s'il va bien. Alors merci, il va très bien, ça va mieux. Merci. Allez, c'est parti. Alors, en monnaie, il n'y a pas grand chose. 20, 30, 40, 50, 60, 75... 80 centimes. Hop, j'ai encore pas sorti mon truc pour pas faire de bruit. Je vois s'il n'y a plus rien. Allez, on va ce qu'il me reste dans le Filofax. Alors, j'avais 150 euros en alimentation. Il me reste 25 euros. Alors, plus 25, je note tout de suite. En d'hiver, il me reste mes 10 euros. On les a conservés cette fois. Hop, entretien hygiène, j'ai plus rien, promo, il me reste mes 30 euros, santé, il me reste mes 20 euros, beauté, il faut que j'y aille, mais en ce moment, je suis fatiguée, j'ai un mal de dos, c'est un truc de fou, ça fait 2 jours que je dors très mal, j'ai très très mal au dos la nuit, je suis mieux debout que couchée, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors du coup, j'ai vraiment la flemme d'y aller, il faut que je prenne rendez-vous avant qu'il se finisse, mais bon, on verra. Et école, il me reste mes 10 euros, puisque de toute façon, il n'en aura pas besoin. Normalement c'est le jeudi, mais là c'était pas jeudi. Enfin, il y a une semaine, c'est jeudi qu'il doit manger sur place, et une autre semaine vendredi. Là, ce sera vendredi, en sachant que demain il n'y a pas de restauration. Je ne sais même pas s'il y a des proches, je ne sais même pas s'il y a des bus. Comme demain, ils annoncent une grosse grève. Je sais que déjà il n'y aura pas de restauration, alors au pire, je ferai un sandwich pour manger sur place. Et animaux, ben pareil, hein. Animaux, il me reste quelques centimes. Ouais, je vais les prendre, de toute façon, ça ne sert à rien. Il me reste 7 centimes. Et dans extra, alors j'ai 10 euros. Alors c'est 10 euros que j'ai trouvé en allant chercher ma fille à l'école. Ils étaient par terre. Du coup, bah voilà quoi. 10 euros. Hop. Du coup, ça nous fait pour la semaine une économie de 45 euros. 87 plus les 10 euros d'extra que j'ai trouvé, ça nous fait 55,87 euros d'économie. Alors, encore une belle semaine. C'est top. Allez, ça on y pose, ça on laisse là. Oh, je suis désolée si je suis un peu fatiguée là. Hop, allez. On va faire le remplissage. Alors, alimentation, comme d'habitude, 150 euros. Ça ne change pas. Hop. Et voilà. Ça, c'est pour la troisième semaine. C'est top. Allez. Ensuite, d'hiver, on met toujours les 10 euros. Et école, ce sera les derniers 10 euros parce que c'est la dernière semaine, après c'est les vacances, du coup on n'a plus besoin. École, il est où? Il est là. Alors du coup, ce sera les derniers. Voilà pour ça, on est paré pour la semaine prochaine. Ça c'est fait, hop hop, on n'en a plus besoin. Ensuite, et ben on va aller remplir les défis. Ah, par contre, j'ai pas noté. Non, il y a plus d'économies. Je mettrai après. J'ai mis des... D'habitude, je le note. J'ai mis dans mes petits défis. Je vous montrerai après et on le notera. Je vais le mettre de côté. Mais par contre, j'ai pas noté où je les ai pris. Il y en avait un peu dans l'alimentation, il me semble. Entretien, hygiène. Il y avait 2-3 euros dans animaux. Enfin, voilà, il y avait un peu de partout, mais j'ai pas noté. Allez, on prend celui-ci.
5 euros, il m'en reste un, c'est ça. Mais je ne sais pas si je le mets là ou je le mets dans autre chose. Je verrai. Parce que je sais que les 5 euros, j'ai quand même pas mal de temps. 10 euros. Hein. Hop. Alors, plus 10. Alors, on a 100 euros. Tout rond. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les 20 euros. Je prends 10. Hop. Alors, normalement, on a 100 euros. 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Super, ça monte bien ça. Ensuite, le 780, qu'est-ce qu'il nous faut? 10 euros. Hop, si je le prends à l'endroit, c'est mieux. 220 euros. Hop. Ça, c'est bon. Ensuite, eh ben là, on met rien. Là, on l'avait fini, octobre. Enfin, je regarde combien il va nous coûter, novembre. Les centimes, bon, on va les mettre, de toute façon... Il n'y a pas grand chose. 2, 3, 4, 50. Alors 50 centimes. Eh ben, je ne les ai pas. Et si je fais 50 centimes. Si je barre 1 euro et je mets 1,50 euro, je les ai. 1 euro 50, je dis j'avais. 1 euro 60. Alors, il y a 50 centimes. Si je barre 1 euro 50, 2 euros. Alors, ce que je vais faire en barre les 1 euro 50 et je vais mettre 2 euros. Hop. Ce que je vais faire, là, il va falloir que je regroupe parce que j'ai beaucoup plus de petites sommes que de grosses sommes. Oui, ça me pose problème. Voilà. Alors, il faut que je mette quand même 50 centimes. Hop. Alors, octobre, bah, comme la semaine dernière, plus 50 centimes. Voilà, c'est pas moi qui vais compter aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis. Alors, 47, je suis épuisée. 47, 80, plus 48, 30. 48, 30. Hop, ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire déjà un bingo. Celui-ci, je l'aime bien. Alors, j'espère que je ne vais pas tomber sur trop gros parce que j'aimerais bien remplir un peu la marelle. Excusez-moi, je dois vous casser les oreilles avec ça en plus. Alors, nous sommes à 35. Alors, 8 euros. Évidemment, je ne dois pas avoir de la monnaie dans celui-ci. Hop. Alors. Bingo, toujours en octobre, on a dit qu'on avait fait le 35, alors 3 plus 5 égale 8, alors 46 plus 8, on est à 54, franchement ça monte bien, c'est top ça, alors hop, on a dit 8, alors il me faudrait 2, 50. Ouais, mais j'aurais pas les 2 euros. Est-ce que j'ai de la monnaie ailleurs? 1, 2, 3, attendez. 1, 2, 3, 4. Non. Parce que si j'arrive à trouver de la monnaie. Il faut que je récupère 2 euros. Bon, bah, on va mettre les 10 euros. Je vais récupérer 1 euro. Et je vais mettre plus 1 euro. Qui voit où je récupère. Où j'aurai déjà plus 1 euro. Plus 1 euro. Voilà. Comme ça, je vais me casser la tête. J'ai récupéré les 1 euro. Du coup, là, mes enfants, ils ont joué. Et j'ai moins 18 euros. Je vais mettre 10 euros. J'aurais plus 8 euros à mettre. Hop. Parce que je ne veux pas tout mettre là-dedans non plus. 8 euros. Moins. Et là, du coup, on est à 23. Voilà. Et en plus, ils ont encore des matchs week-end. Là, ça s'enchaîne. Ils s'enchaînent tous.
Hop. Là, je le fais pas. Là, il a pas plu, mais je pense que la semaine prochaine, ça va pas être pareil. Je vais mettre 5 euros ici. De toute façon, j'aurai le temps de les récupérer après. Allez, en marron. Hop. 5 euros. J'aurai le temps de les échanger plus tard. Voilà. 5 euros. Marel. Bah, je mets déjà les un petit 1 euro ici, tiens. Allez. On va mettre déjà les 1 euro là. Voilà. Et je crois que je vais mettre les 10 euros ici. Ouais, je vais mettre les 10 euros dans la marée. Allez. Octobre plus 10 euros. Nous sommes à 60. Non, plus 11 euros. Nous sommes à 61 euros. Voilà. Je ne l'ai pas rempli, ça fait un moment la marée. Hop, on va. 10 euros, 10 euros. Ah, mais ils sont pris. Ah, maintenant, on va faire comme ça. Alors, attendez. Ah non, là, 10 euros. Allez, hop. Je préfère mettre les plus grosses cases. 10 euros et les 1 euro, je les ai mis. Hein. Et ben voilà. Ça, c'est fini. On a bien rempli. Je suis contente. Ensuite, on va faire. Hop. Du coup, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, j'ai mis, oui. 13 euros dans le calendrier. Alors du coup, nous sommes 13 plus 5,50. Nous sommes à 18,50 dans le calendrier. Alors l'argent, je vous dis honnêtement, il sort d'un peu toutes les enveloppes. Et 7,50. Alors du coup, il y avait 13 plus 7,50. 20,50 euros, j'ai mis dans les défis. Oh, j'aurais pas pensé que j'avais mis autant. Alors du coup, on a 65 euros là. Oh, attendez. Plus 45,87. On a 66 euros ici. Mais ça sort un peu de partout. Hein. Je vous dis, il me restait un peu de la monnaie dans animaux, dans entretien hygiène, il me semble. Plus. Du coup, on a 60. Je ne sais pas pourquoi je compte. On a 76. Ben, comme la semaine dernière. Hein. 76, 37. Oui, il sort un peu de partout. Hein, je vous dis. À chaque fois que j'avais un peu de monnaie dans mon petit porte-monnaie, hop, je mettais dedans. Voilà. Là, du coup, on est 7,50 plus 5. On a 12,50. Alors, c'est bien, ça monte doucement. 12,50. Et l'autre, hein, comme d'habitude, il n'est pas commencé. Voilà, c'est tout en monnaie. Là, enfin, ce que je vais faire, je vais les prendre et je vais échanger avec de l'argent dans mon porte-monnaie, je pense. Je verrai. Parce qu'après, comme ça, je suis tranquille. Ensuite, ce qui concerne les épargnes, il n'y en a qu'une, normalement, qui est... ça non, ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé, l'orthodontie ça va bouger normalement à la fin du mois, elle m'a dit qu'il fallait que je paye fin ou début du mois, je pense que je vais attendre début du mois. Bah anniversaire, on était à 180 et je suis à 120, voilà, je rectifierai quand on fera le point à la fin de... Là je pense que je vais prendre peut-être, moi j'ai mon anniversaire mercredi prochain. Alors, peut-être que je prendrai le gâteau, moi, avec là. Je verrai. Voilà, je sais pas. Alors, c'est pour ça que je ferai le point à la fin du mois. Combien je mettrai à jour. J'arrive plus à parler. École, ça n'a pas bougé. Le reste, ça n'a rien. Là, j'ai payé le garage. Bah, les animaux, il reste toujours 11 euros. Hein, et le reste, ça n'a pas bougé. Voilà pour ça. Bon, et ben voilà, hein. J'espère que je n'ai rien oublié parce que j'ai un peu... c'est un peu compliqué ce matin. Mais je pense que j'ai rien oublié. Comme d'habitude, hein, si vous voulez des trackers ou quoi que ce soit, vous venez sur ma page Instagram en message privé. Ou alors, de temps en temps, je peux les partager aussi sur ma page Facebook. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et voilà. Hein. Moi, sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Profitez. Je vous dis à vendredi.
Ouais, vendredi, on sera combien vendredi? Je sais pas si je vais pas le. Si vendredi, il n'y aura pas aussi. Je vais regarder d'abord on est combien, parce que je vais pas les donner trop tôt non plus. Vendredi, on sera le combien? Je sais même pas on est où, j'en sais rien. Le 20? Ouais, on sera le 20. Peut-être je vous ferai les. Avec la vidéo, il y aura les défis pour le mois de novembre. Voilà, je vais y arriver. On verra si je les fais là ou je fais une vidéo spéciale, on verra. Bref. Moi, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à vendredi prochain pour le bilan de la troisième semaine. Bye bye!